pas les faire, à des mots en aval. Je sors un gros joint et puis je le pète dans la savane. C'est qu'on fond la queue, mais moi je pique grave la banane. T'es pas content, reste dans ton camp. Nous on charbonne pendant toi, tu tapes du bon temps. Je suis à fond de temps, t'inquiète mon gland. Et préparé pour leur foutre depuis longtemps. Hey, yo les gars, c'est Boban QLS, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez-moi, pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui, on se pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne, les potes. Une vidéo du même type que celle où j'avais fait les 5 meilleures classes de Call of Duty Black Ops 3. Sauf qu'aujourd'hui, les gars, ça va être les 5 meilleures armes DLC de Black Ops 3. Donc, bien évidemment, j'ai créé des classes pour pouvoir les faire. Mais avant de commencer cette vidéo, les gars, je vous demande un maximum de likes. Ça me ferait vraiment très plaisir et ça m'encouragerait à faire le même type de vidéo. Et aussi, je voulais remercier l'abonné qui m'avait proposé cette idée dans un commentaire de la dernière vidéo, enfin de la vidéo des 5 meilleures classes sur Call of Duty Black Ops 3. Tout simplement, j'ai vu ton commentaire et tu m'as dit que je devrais faire ça avec les armes DLC. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, poteau. Et donc, sans plus tarder, on va pouvoir commencer avec la première arme qui est la Peacekeeper, les gars. Donc, oui, je pense que la Peacekeeper, vous la connaissez tous. Elle est sortie il y a pas mal de temps maintenant, peut-être un an, un petit peu moins, un petit peu plus, je sais plus. Enfin, bref. Donc, sur cette Peacekeeper, vous mettrez le viseur Hello ou alors vous en mettrez pas. Mais moi, je préfère jouer avec le viseur parce que sans viseur, tu vois, j'ai l'impression qu'elle est bizarre l'arme. Ensuite, vous mettrez le gros calibre pour pouvoir mettre moins de balles dans la tête parce que sinon la Peacekeeper met énormément de balles. Ensuite, vous mettrez la crosse parce que c'est une AR, les gars, et que sur les AR, faut mieux mettre la crosse tout simplement pour pouvoir se déplacer plus rapidement quand vous visez. Et ensuite, vous mettrez le chargeur rapide pour pouvoir recharger plus rapidement parce qu'elle est assez lente à recharger quand même. Et ensuite, vous mettrez la poignée ergo pour pouvoir fuser plus rapidement. Et ensuite, comme d'habitude, les gars, ça je le dirai pas à toutes les classes parce que les atouts, c'est pillard et post-combustion parce que tout simplement, je les mets tout le temps, ceux-là. Et donc, voilà, je vais pas le dire à toutes les classes. La deuxième classe, bien évidemment, vous en doutez, c'est la M16, les gars, la M16. Qui est l'arme la plus ravageuse, tout simplement, en assaut. Même si c'est pas forcément elle qui fait le plus de dégâts, je crois. Attendez, on va regarder. Namis Garand, est-ce qu'elle en fait autant? Ouais, non, c'est pas forcément elle. Donc voilà, mais tout simplement, elle fait vraiment très mal. Si vous mettez toute la rafale sur le mec, ça va le tuer obligatoirement. Et dessus, vous mettez la classe la plus salope, les gars. Avec le viseur Hello, la poignée ergo, le gros calibre, la crosse et le tir rapide. Et avec ça, les gars, je vous promets que vous allez faire des carnages avec cette arme. Ensuite, une batteuse. Oui, c'est assez spécial, les gars, une batteuse. Tout simplement parce que celle-ci, elle fait vraiment mal. Alors, la R70 Ajax, dessus, vous mettez le viseur Hello parce que le viseur de base est assez dégueulasse. Vous mettez la poignée ergo parce que c'est une batteuse et qu'il faut se viser vraiment très rapidement avec cette arme. Ensuite, vous mettez la crosse, les gars, parce que c'est une batteuse. Encore une fois, avec la crosse, c'est très importante, sinon l'arme sera vraiment très lourde. Et vous mettez le tir rapide. Alors, oui, vous direz, les balles, elles partent hyper rapidement sur la R70 Ajax et on ne peut pas recharger parce que c'est une arme à énergie, mais vraiment les gars, le tir rapide il fera vraiment la différence. Donc voilà, et ensuite vous mettez comme d'habitude pillard post combustion, et ensuite vous mettez masque tactique et le C4 pour pouvoir bloquer un petit peu les spawn bags, parce que avec la R70 Ajax c'est plus efficace quand vous faites les bus. Simplement, n'allez pas dans les spawns avec cette arme, sinon vous aurez vraiment du mal. Ensuite, la quatrième arme, c'est la HLX4, les gars. Alors vous direz, what the fuck, la HLX4, t'es sérieux? Et oui, les gars, la HLX4 est vraiment très très cheatée, je trouve. Vraiment, elle met très peu de balles. Alors certes, de loin, elle a vraiment du mal, mais les gars, de près, elle fait mal. Malgré son défaut qui est que elle a un petit temps de rechargement bizarre. Enfin, c'est... je sais pas trop comment dire ça, enfin bref. Dessus, vous mettrez la poignée, le chargeur rapide, le chargeur grand cap, parce qu'elle part... elle perd énormément de balles. Et vous mettiez la poignée ergo également pour pouvoir viser vraiment plus rapidement. Et ensuite, comme d'habitude, vous mettez post-combustion, pillard et le petit C4. Et la dernière classe, les gars, c'est pas la PPSH, car malheureusement, je n'ai pas la chance de l'avoir, cette arme. Mais je pense que quand même, je l'aurais mise, la PPSH. Enfin, ça se voit avec la FFR, tout simplement. Et donc, sur la FFR, vous mettrez le viseur Hello, la poignée, parce qu'elle bouge énormément, cette arme. Vous mettrez la crosse, parce que c'est une AR. Vous mettrez le gros calibre pour mettre moins de balles dans le haut du corps. Et le chargeur rapide pour pouvoir recharger beaucoup plus rapidement. Et ensuite, comme d'habitude, vous mettez le petit post-combustion avec le pillard. Et donc voilà les potes, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, ça me ferait vraiment très plaisir. Si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer les notifications. Et moi les gars, je vous dis à plus tout le monde, c'était BabanQLS, bisous tout le monde.